Salut à tous, c'est Sylvain pour la chaîne Slideventure. Aujourd'hui, on va parler arrosage du jardin, on va parler goutteur. Allez, je vous explique tout juste après, c'est parti. Alors, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler arrosage du jardin, arrosage au goutte à goutte et idéalement par gravité. Enfin, c'est ce que je vais essayer de mettre en place avec ça. Je vous montrerai ensuite au jardin. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors clairement c'est du matos chinois. Faut pas se voiler la face. C'est tout pris sur Amazon. Je vous mettrai les liens en description et je vous mettrai des liens éventuellement AliExpress. Vous trouvez ça encore moins cher sur AliExpress. Moi je l'ai pris sur Amazon pour l'avoir vite et l'installer vite au jardin. Encore une fois ça va dans la continuité de la vidéo sur l'eau où je te mets la miniature, la fiche par là. Enfin tu arriveras à la trouver. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Donc, dans un premier temps, j'ai commandé donc un filtre pour mettre donc sur les cuves. Donc, encore une fois, l'idée c'est que ça fonctionne par gravité. Donc, les cuves étant un peu plus hautes et le terrain en pente, je vais essayer de profiter de cette pente pour arroser par gravité. Si vraiment ça ne fonctionne pas. Je prendrai une petite pompe que je brancherai sur un panneau solaire 100 watts que j'ai depuis un petit moment et j'enverrai ça là-dedans. Donc un filtre, pourquoi un filtre? Parce que c'est un peu comme les tuyaux microporeux, un peu comme les tuyaux goutteurs. Les petits goutteurs, là, ça arrive à se boucher. Donc j'ai pris ce filtre-là que je vais mettre eh bien, en tête de ligne. Hein. Donc c'est tout simple, hein. C'est un filtre grillagé comme ça. Hop. Et donc, tu viens relier ça en 20-27. Donc, tu as une flèche sur, comment dire, pour le sens de d'écoulement. Donc, tu rentres ici, tu sors ici. Tu as aussi des filetages ici, donc ils ne sont pas percés. Si vraiment tu veux vidanger, là, c'est pas percé. Donc, tu fais un trou, un petit joint là. Et ça permet éventuellement de vidanger si besoin. Il y a des filetages ici. Si tu veux raccorder quelque chose, je ne sais pas quoi, éventuellement peut-être un manomètre. Pourquoi pas. Donc un filtre. Ensuite, j'ai pris des raccords comme ça. C'est donc les raccords rapides pour petits tuyaux 4 mm intérieur, 7 mm extérieur. Donc ça nous fait un raccord rapide. Tu viens enficher ça et hop, à forcer là-dedans, enfin un peu plus bien sûr. Et du coup, tu alimentes ton tuyau. Pour ensuite tes goutteurs. Donc du tuyau, j'appelle ça du tuyau 4-7 parce que en fait ça fait 4 intérieurs, 7 extérieurs. Donc j'en ai pris 50 mètres, des machins comme ça. Je les ai pris par lot de 10. J'aurais très probablement pas l'utilité de tout dans l'immédiat, mais si c'est un système qui fonctionne bien, c'est peut-être un système que je multiplierai pour l'année prochaine. Pour cette année, encore une fois, je t'ai fait la vidéo sur. J'ai transformé mes tuyaux microporeux en tuyaux goutteurs. Ça fonctionne plutôt pas mal par gravité pour cette année, mais je pense que ces tuyaux-là ne feront pas une éternité. Donc peut-être que je passerai sur ce genre-là d'installation. Et ensuite, donc des goutteurs. J'en ai pris 2 sachets, donc 200. Pareil, donc cette année, j'aurai pas l'utilité de tout. Et donc, dans chaque pochette, il y a 100 petits piquets, 100 petits goutteurs réglables et 100 T. Hop, je vais vous les mettre là. Si... Donc, il y en a 100 de chaque par pochette. Made in China. Hein. Et donc, moi, pour cette année, et dans un premier temps en tout cas, je vais installer ça dans une de mes planches de fraisier. Donc, c'est une planche où il y a de mémoire 130 fraisiers et qui sont sous bâche. Et le problème qui se passe, c'est que la bâche, ça chauffe énormément. Et en fait, l'eau passe quand même relativement mal au travers de la bâche tressée. Et mes plantes tomates sont vite en stress hydrique. Donc, je voudrais pouvoir, en fait, simplement en ouvrant une vanne, pouvoir les arroser sans problème, sans passer pied par pied pour les arroser. Donc, ce que je vous propose, eh bien, c'est que j'installe ça au jardin et puis après, on se fasse un petit essai ensemble de voir si ça fonctionne en gravité pour te montrer si, donc, à basse pression,
Bien, ça fonctionne, ça fonctionne pas, et ou s'il faut un petit peu plus de pression. Je pense que entre le, on va dire le point bas de la cuve et l'endroit où ça va être, je pense qu'il y a peut-être bien 2 mètres de dénivelé, donc ça fait une relative pression. Je voulais essayer, et encore une fois, si ça ne fonctionne pas, on passera sur une petite pompe avec une petite pompe que je mettrai dans la cuve. Ou en ligne, et je mettrai ça sur un panneau solaire, et je te montrerai ça donc dans une autre vidéo si, si j'en ai l'utilité. Allez, on se retrouve au jardin et je vous montre ça. C'est parti. Ok, donc on se retrouve au jardin. Donc j'ai mis le filtre ici, à terme je le mettrai directement en sortie de cuve. Donc j'ai mis une vanne 4 voies, et donc comme tu le vois, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangées de 22 fraisiers. Donc comme tu vois, certains ne sont pas très beaux. Ils commencent juste à se remettre du stress hydrique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'alimente 2 lignes à chaque fois. Donc ici et ici. Donc ça, c'est un goûteur fermé qui me permet de faire bouchon finalement. Ensuite, le deuxième ici et ici. Et le troisième directement, donc les 2 lignes du bas. Donc sur on va dire une sortie, il y a 44 goutteurs. Aujourd'hui ça fonctionne, alors plus ou moins bien. Alors je vais essayer de te filmer, je sais pas si tu vas voir. Où est-ce que je peux te montrer? Là. Voilà. Là, je sais pas si tu vas distinguer entre les deux. Ici peut-être. Voilà. Donc juste par gravité. Alors je vais me retourner, mais je pense que tu vas pas voir vraiment la différence de niveau. Donc si je me retourne, donc les cuves se trouvent derrière les serres là-bas. Et mais remarque, je peux te montrer ici donc la pression que ça donne. Voilà donc ce que ça fait. Donc sachant que la cuve est loin d'être pleine, elle est plutôt même sur la fin. Donc quand elle est pleine, il y a encore un peu plus de pression. Alors les goutteurs sont quand même assez pénibles à régler si tu en as déjà installé. Tu connais le problème. Donc je verrai à l'avenir si vraiment je mets une petite pompe 12 volts avec un panneau solaire branché en direct, hein, sans régulateur, rien, pour pousser encore un peu plus et faire en sorte que ça goûte encore un petit peu mieux. Mais bon, pour l'instant, enfin en tout cas aujourd'hui, premier essai, ça fonctionne. Donc par contre, la question c'est est-ce que un système comme ça en tuyau 4-7 plus goutteur est économique par rapport à du tuyau goutteur intégré? Ici, ça te permet eh bien, en fait, de faire ce que tu veux, c'est-à-dire que tu mets ton goutteur un petit peu partout, mais enfin un petit peu partout, un petit peu où tu veux, avec des espacements comme tu le sens. Alors je t'avoue que c'était assez pénible d'installer tous les thés, tous les goûteurs, mais bon, ça se fait, faut un petit peu de temps. Ouais, là l'avantage c'est que tu peux mettre ton goûteur où tu veux, le tuyau il est percé tous les 25, tous les 30, tous les 50 en fonction de ce que tu choisis. Mais voilà, donc si tu respectes un emplacement ou si tu disposes tes tuyaux goûteurs, enfin, tes tuyaux goutteurs intégrés et ensuite tu viens planter tes fraisiers ou ce que tu veux d'ailleurs, très certainement que le tuyau goutteur intégré est plus intéressant que ce système-là. Dans tous les cas, je te mets les liens en description de tout ce que j'ai pris. Donc je te dis, je l'ai pris tout ça sur Amazon pour l'avoir vite, mais on trouve ça sur AliExpress, hein, c'est du matériel chinois. On va voir un petit peu combien de temps ça dure et combien d'années ça dure, si le goutteur se bouge pas trop. Grâce au filtre, tu vois, les premiers essais, j'avais pas encore mis le filtre et je me suis aperçu que j'avais déjà des impuretés dans 2-3 goutteurs. Donc le filtre très très important. Là aujourd'hui ça fonctionne bien, donc je vais vider ma cuve pour aujourd'hui et puis on va voir avec le temps quoi. Ok, donc bah, écoute, je sais pas si cette vidéo t'a plu, les fraisiers sont juste derrière. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre le petit pouce qui va bien, à t'abonner comme d'habitude. Regarde où je mets les pieds. Je te dis à la prochaine.
Ça pousse. Salut!